À l'occasion de ce huitième de finale, France-Argentine, Euronews est parti sur les traces de la star des Bleus, Antoine Griezmann. L'attaquant de l'Atlético a débuté le football ici à Mâcon, en plein cœur de la Bourgogne. Ses premiers dribbles, il les a effectués sur la pelouse de l'UFM, l'Union du football mâconnais, sous les ordres de Bruno Chetou. On voyait vraiment que c'était un bon joueur technique. Et surtout à l'époque, je pense qu'il était collectif, ce qui est quand même assez rare. S'il voyait que c'était un petit peu dur pour son copain défenseur, il venait l'aider. Déjà à l'époque, le formateur se rappelle d'un gamin avec un mental de compétiteur hors norme. On avait une très bonne équipe, il y avait Antoine, mais il y avait d'autres bons joueurs. Donc on avait tout gagné dans la saison et le dernier tournoi, on a perdu au tir au but justement. Et là, Antoine, il n'a pas attendu la remise des trophées, des médailles, il est parti, il était en pleurs. Parti vivre ses rêves professionnels en Espagne, Antoine Griezmann n'a jamais oublié ses racines footballistiques. Chaque année, il a une petite attention pour ceux qui ont façonné la star qu'il est devenu. Pas de doute, samedi, tout Mâcon sera derrière l'enfant du pays.